Et bonjour à toutes et à tous, c'est Momotech et nous voici pour la suite de Salt Sanctuary. Donc pour revenir rapidement sur la quête du sac de terre, alors si vous le faites, on ira peut-être pas hein, pour le donner, mais sinon si vous voulez savoir ce qu'on a, alors je l'ai vu vite fait, peut-être que j'ai dû oublier parce que moi j'ai une petite mémoire pour retenir certaines choses. Alors si vous faites deux fois oui, vous gagnez un bouclier. Si c'est oui, non, c'est une armure. Un set d'armure ou la grande hache. Si c'est non oui, c'est soit l'armure ou la grande hache. Et si c'est non et non, c'est l'Eviscérator. Des petits points importants si vous désirez quelque chose. C'est des bons items en soi, mais ça peut être intéressant. Et on retrouve ce salopard. Oui, allez tiens, on va se foutre de ta gueule. Fait le malin. Je suis le chevalier, le ruiné de temple. Ouais, là c'est le boss qu'on va affronter. Bon, et vas-tu comme elle m'a éjecté cette saloperie. Hop, je bouffe un. Ça, nice. Ah ouais. Je crois qu'il peut le faire tomber lui là-bas. Attention, c'est Mila, il a une chope aussi, lui. Je sais pas où ça mène, ça. Ouais, là, c'est un mimique. Soit vers la fin du jeu, les mimiques, il y en a beaucoup, hein. Ça mène à où déjà ça? On a déjà pas été ici. Oreille de choses à bras, oh, d'accord. Oh, t'es immense ces bras. Donc deux pots pour toi, j'ai une grande épée, j'ai une meilleure portée. Petit con. Allez, bien joué. On voit pas spécialement clair, mais je l'ai senti. Une faux de guerre. Hein. Bon, et vous arrêtez de vous barrer? Mineur à la noix. Bah, t'as cru que t'allais me toucher? Miséreux. J'ai pas capté, mais ils font très mal. Hein. Je les sous-estime un peu, ces connards. Allô? Un item ici, là. Ah, là c'est pas un mimique, là. Ouais, c'est bon. Barre brute du front sanglant. C'est une armure lourde, ça, je crois. Ah, bah ouais, c'est. C'est l'armure de l'autre là qui nous a donné la marque qui permettait d'enlever ça là. Qui permettait d'enlever les murs rouges. On va où là? Oh. Toujours intéressant les petits messages qu'on nous laisse. Moi j'en avais laissé quelques-uns moi. Des petits messages de conseil, pas de troll. Par que je me faisais plaisir par contre, hein. Je mettais des messages. Quand je pouvais mettre des messages à la con, je les mettais. Donc portée. Tu l'as pas. Des trucs que je t'avais pas vu toi hein. En fait j'avoue, je l'ai pas vu. Ordre d'un seigneur, pas mal le loot. En soi, moi ce qu'il me faut c'est l'ordre d'un roi. J'allais dire.
Ah oui, il y a aussi un autre boss qu'il faudrait que je vous montre aussi plus loin. Mais je crois qu'il donne pas de sel non plus lui quand on le bat. Hein. C'est un peu la chose débile. En plus, je trouve que c'est un des boss les mieux animés en termes de 2D lui. Il y a un piège, je crois là. Ouais. Vraiment puissante cette épée, hein. Toi. Aïe. Ouf. Faites pas genre qu'on vous voit pas, hein. Connard. Un poème de soldat. Très important si vous oubliez le loot. Enfin, de craft. Important craft. En soi, sur l'armure, ça sert presque à rien. Hormis si vous avez une petite armure favorite, mais. Ouais, ça doit être un poème d'un soldat, ça. Ah non. J'ai vu qu'il y avait un salopard qui était là. Ça mène à où ça? Je crois qu'on va à la caverne à guerre là, je crois. Ouais, un pendu. Plus de dégâts à deux mains. Hein. Corde de pendu, c'est pareil, c'est pour du item ça. Ah, ça mène au cellule rouge là. Vous voyez à quel point on revient un peu au début là. Augmente votre défense contre les dégâts sacrés. Bah ça c'était pour l'autre saloperie de papillon là. La chance. Ce 16, 16 ennemis là ils pardonnent pas quand ils te chopent. Je préfère me briser les rotules, hein, on sait jamais, que sauter à l'inconnu avec ça. En fait, ce jeu se base beaucoup sur l'ambiance sonore. Bien que c'est pas ouf, hein, mais. En soi, c'est pas. C'est, elle est pas ouf la bande son du jeu, mais. Elle peut être intéressante un petit peu. Plus au niveau de l'environnement, parce que c'est plus inquiétant, je trouve, le bruit de sang de l'environnement. Anneau de fleur de sang, je crois que c'est un truc, je crois que ça fait des dégâts quand on tape, un truc comme ça. Augmente la puissance d'attaque, bah écoutez. Pas celle-là, cet anneau-là il fait quoi déjà? Augmente l'endurance. Réduit les effets des blessures, on se voit vu comment on se fait dégommer. Puissance d'attaque, plus la grosse épée, bah voilà quoi, on va pas dire non. Hein. On ne lésine pas sur la puissance. Ça, les femmes à bec que je vous ai parlé dans la partie avec la femme, la dame papillon. On a d'autres, je crois, par loin là. Je vais les esquiver. Là, il y a. Attendez, si je monte là-bas. Bizarre, il y a la con. Je fais gaffe à mon sel, j'ai beaucoup trop de sel là. En soi, ça sert à rien. Un 9 en diamant, ouais, c'est pareil, c'est pour de l'item ça. Normalement, il y a une idole qui est pas loin, enfin une idole, un sanctuaire. Là, je crois.
Merde. Prends ton temps surtout mon grand. Niveau 64. Augmenter un peu l'endurance. L'endurance, on en a pas beaucoup. Ouais, et puis ça aussi. Ah bah attendez, on va remonter de niveau. Ça mène à où déjà ça? Pitchwood, ouais, ça c'est pour plus tard ça. Enfin, il faut aller en bas pour Pitchwood. C'est là où on peut avoir la meilleure épée. Enfin, il faut un alchimiste et la meilleure épée. Essayez sacré bouclier. Alors, cet ennemi-là, si on fait attention, on peut le faire bugger. C'est surtout au niveau des fantômes qu'il y a là-haut, en fait. Et oui, il faut faire aussi attention à ça. J'ai esquivé trop tard. Parce qu'en fait, il y a deux fantômes. Alors, on va le laisser frapper. Tout soit attention, il fait une attaque de zone. Puis il faut en fait là où il peut être buggé, c'est quand il passe sur le côté, au fait. Il peut être buggé en passant sur le côté. Et il y a deux fantômes hein, dans ce niveau-là, donc si vous pouvez enclencher juste une attaque. En soi, les esprits, les seules attaques qu'ils ont, c'est ça. Hein. Les esprits ont les mêmes attaques. Là, il faut qu'il garrote la hache. Non, là, il a pas décidé de bugger. Il a dû être patché. Ouais, il a dû être patché à mon avis. Là, il va tirer. Pas impressionnant comme pattern, mais par contre, qu'est-ce qu'il est résistant comme boss. Et surtout, essayez de rester dans un coin. Ne vous avancez pas trop. Là, normalement, il a bugué là. Non. Il a pas bugué. Il y a moyen qu'il bug au fait hein. Ah bâtard, ah il a enclenché sa apparition de son pote, fait chier. Ah bah du coup il est bugué, regardez. Hop. Par contre son pote non. Ah il a pas bugué. Le problème c'est que là il me casse les... Putain je meurs pour rien. En partie je meurs pour rien parce qu'il m'a... Vous avez perdu du sel. Ah bon c'est pas la hache qui prend la... Bon. Parce qu'en fait il m'a poussé sur le côté donc du coup ça a enclenché l'apparition du deuxième fantôme. En soi vous avez vu le pattern il est débile. C'est surtout... Après le pattern un peu plus compliqué éventuellement c'est la hache, celui de la hache. Vous pouvez l'esquiver, mais vous le bouffez quand même, alors... Enfin, vous le bouffez quand même, il y a moyen de l'esquiver au bon moment. Hein. Surtout faire attention, parce qu'à chaque fois, ça enclenche une attaque de zone. Putain, ils font peur. C'est... Ah, bah putain, non. Là, du coup, je suis dans la merde. Ouais, pardon.
Ah, puis je suis pas loin de l'avoir frappé, hein. Je suis pas loin de le tuer, hein. Qui est bloqué dans le coin là? Le fantôme a bugué là. Vous pouvez même faire bugger les deux hein, si vous y arrivez. Hein. Cette dernière attaque qui touche comme par hasard. Petites attaques. L'attaque. La convoité, nous on l'a détruit. Il va la jeter, faut qu'il tire de mon côté. Sauf pour une arme. Pour ça. Ah, juste une simple roulade. Ah, puis il l'a mis de l'autre côté, ça, ce fils de chien. Là, par contre, je suis pas d'accord. Palpitant. Hop là. Proximité de ciel. Avec du poney. Bah, vous voyez, hein, pas très compliqué au niveau du pattern. Et le fait de se placer dans le coin, ça fait bugger un fantôme. Et moi, j'ai réussi à faire bugger les deux. Hein. C'est, il a pas été patché au fait. Ouais, j'ai flatté un bug pour le tuer, je l'ai déjà tué avec les deux, hein. C'est un peu plus costaud, mais en soi, si on peut exploiter une faiblesse, exploitons-la, c'est aussi simple que ça. Mais je vais pas tarder à manger, quelle heure en fait là, alors que je fais cette vidéo? Ouais, il me reste 10 minutes, on va essayer d'affronter Scarcrow et de débloquer son, sa méga épée. Est-ce qu'il s'appelle Scarcrow le type hein? Il est stylé le boss, c'est lui. Par contre, beaucoup de monde pense qu'il ressemble à Nito. Surtout quand il ouvre son corps, en fait. Vite! Bon, bah voilà.
Un reliquaire calciné, c'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux l'ordre d'un roi. S'il vous plaît. En plus, j'ai pas enclenché le PNG, quoi. Alors là, vous voyez cet ennemi-là, là, l'espèce de licorne, là. Préparez-vous à douiller, hein. Cet ennemi one-shot. Puis on est dans la zone où il faut aller, là, alors. Hein. Ah. Je vais essayer de l'avoir comme ça. Allez à droite, ouais, vaut mieux aller à droite. Ah putain, il est en dessous. Est-ce qu'il one shot cet ennemi là? Ça mène à où ça? Ah bon, on débloque un raccourci. Ah oui, alors voilà. Ici, cet endroit va vous mener à un endroit secret qui vous permettra de débloquer un des clans les plus difficiles à avoir. Enfin, à mon sens, c'est le moins difficile parce que il faut pas faire de l'escalade à la con. Vous suivez les cours d'eau, en fait. Vous suivez les cours d'eau, vous allez vous péter les rotules à chaque fois que vous tombez. Et après, vous allez tomber face à un PNJ qui va vous demander si vous avez un certificat sanglant, un truc du délire. Et au fait, pour obtenir ce certificat sanglant, il faut que vous corrompez un sanctuaire avec une page souillée. Et une fois que... Je vais essayer de l'avoir comme ça, oui. Ah, je le one-shot, d'accord. One-shot, mais il me one-shot aussi. Donc, pour revenir sur le clan qui est là-bas, si vous enclenchez le certificat sanglant, si vous niquez le truc avec le certificat sanglant, avec la page souillée, vous allez vous battre contre les gars du sanctuaire. Donc faites attention avec vos figurines si vous décidez de souiller vos propres sanctuaires. Parce que si vous décidez de souiller vos propres sanctuaires, vous allez vous taper les gars que vous avez mis dedans. Ce qui n'est pas une très bonne idée. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez affronter deux types de chevaliers. Celui qui est à cheval et celui et un de base qui est à pied. Et une fois que vous les avez niqués, vous allez gagner une espèce de cœur et un certificat sanglant. Même que je crois que le certificat sanglant, vous l'avez quand vous mourrez. S'il faut que vous mourrez en ayant souillé un sanctuaire, vous serez même repop au début du jeu. Et ensuite, une fois que vous l'avez, vous dites au gars, bah, moi je l'ai, et puis vous pouvez il va vous ouvrir la porte pour vous mener à son sanctuaire. Alors son sanctuaire vous permettra d'avoir des bons sorts arcaniques. Il est pas très évident à avoir, mais en soi, une fois que vous l'avez, c'est bon. Putain, je me pète les rotules, il faut que j'aille là-bas, en fait. Alors, ici également, alors c'est là où il y a les sanctuaires secrets. Hein. Il y en a un autre qui est plus haut, il est justement dans cette zone-là. Par contre, lui, c'est tout ce que... Si vous êtes expert avec les armes d'Ast, tout ça, il est fait pour vous. Les faux, les lances. Mais putain de merde. Et lui, par contre, il est beaucoup plus dur à atteindre que l'autre. En soi, il n'y a pas de restriction pour l'avoir. Mais par contre, pour y aller, vous allez mourir plein de fois. Parce que c'est beaucoup de phases de plateforme. Il faut faire très, très, très attention. Et là, il faut obligatoirement les marquer. Hein. Mais putain! Pas le temps de sauter que je tombe, quoi. Là, je voudrais tuer Scarcrow avant la fin, quoi, mais si le jeu m'en empêche. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je me fais avoir par mes propres conneries aussi. Pourquoi je fais ça? Je suis idiot!
Putain, quand on a les, quand on est buté, c'est fou, hein. Allez. Bon, on va perdre du temps là-dessus, quoi. Bon, faut pas abuser là. Putain, il disparaît au moment où je vais sauter, quoi. Galéré. Vous voyez, je perds du temps là-dessus, quoi. Voilà. Cantine de sel. Pour le moment, on va pas l'utiliser. Et je crois qu'on peut avoir un couvre-chef ici. C'est bon, c'est pas un mimique. Haute forme, ouais. Fait vachement penser à Bloodborne aussi. Ça, il y a des clins d'œil à Bloodborne et à Dark Souls aussi. Surtout au terme d'armement et puis des ennemis aussi. Alors, ouais, là, des ennemis qui sont assez casse-couilles. Hein. Juste courir, non, non, non. Ordre d'un seigneur. Moi, je veux l'ordre d'un roi. Ça, ça a une signification, les espèces de... Les espèces d'hommes empalés comme ça. Bah justement ça c'est un... C'est un supplice fait par celui qu'on va aller affronter là, Scarscrow. On va essayer de le tuer. Il est un peu compliqué. Ouais, et puis là voilà, ça, il faut aller là-haut là. Vous voyez, il y a des plateformes en haut là. C'est là les plateformes qu'il faut que vous preniez pour pouvoir atteindre le sanctuaire. Et voilà le boss. Là, Scarscrow avec sa meilleure épée. Qui fait penser à Nito. Non, c'est Karzjaw, The Cruel. Le Cruel. Stylé comme boss, j'aime beaucoup le design de celui-là. Moi. Par contre, quand vous jouez un mage... il est... C'est votre pire cauchemar, lui. Et ça fait penser à Nito, ça. Et en phase 2, attention, en phase 2, il est beaucoup plus vénère. Hein. Surtout avec son attaque où il plante... Ouais, celle-là. Cette attaque-là, là. Putain, j'y crois pas, là. J'aime beaucoup le design de ce boss. Mais bon, là, désolé Scarscrow, je t'aimais bien, mais là, je t'ai dépouillé. Cendre de Karzjaw, pourquoi je dis Scarscrow? C'est par rapport, alors pour la petite anecdote, au scénario que j'écris. Et normalement, ici, il y a le chevalier là, qui nous avait dit, ouais, j'ai une quête, j'ai le dragon à buter. Et puis maintenant, on va s'approcher des dernières zones du jeu. Je vous ai pas montré le boss aussi optionnel. Bon, en soi, vous le découvrirez par vous-même. Si vous suivez ce let's play, vous savez de quoi je parle. Dans le donjon des cellules rouges. Vous vous souvenez de la du sanctuaire avec les mecs dorés. Si vous prenez ce sanctuaire des mecs dorés,
Y avait aussi une marque rouge. Avec cette marque rouge, au fait, avec cette marque rouge, ça vous permet d'atteindre une zone fermée, soi-disant fermée. Et c'est là que ça vous permettra d'atteindre le boss secret. Il y a aussi un boss secret qui est un peu plus loin. Enfin, un boss secret, c'est trois boss d'un coup aussi. Et lui, ça vous permet également d'avoir un item de craft assez rare. Par contre, le boss, il est assez costaud. Enfin, assez costaud. Il est pas résistant, mais il faut faire très, très, très attention. Parce que c'est trois boss, en fait, en un. Enfin, c'est trois barres de vie, quoi. Et chaque boss a chaque ennemi a des spécificités. Il y en a un, il y a un mage, je crois, qui balance des projectiles. Et puis, il y a deux de corps à corps. Et croyez-moi, ceux-là, ils sont assez costauds. Il est assez costaud quand il est à temps bas parce que ça peut taper de tous les côtés. Je peux pas aller là-bas. Donc surtout, n'oubliez pas, hein, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, le clan du sang, là, enfin, je sais plus le nom, mais le clan méchant, là, enfin, c'est plus des méchants, c'est des fils de pute dans ce clan-là, c'est des assassins, quoi. Et puis le clan qui est tout là-haut, là, qui est assez difficile à atteindre. Hein. Bon, par contre, là, je vais... Si je peux... Je les one-shot pas. Si je peux vous éviter, je vous évite. Hein. Ouais, alors là, on approche dans l'une des dernières parties du jeu. L'air, le sel, la mer, tout cela me colle à la peau comme un vieux manteau. Vous avez été trahi, je vous le dis. Ça, notez, on parlera de l'histoire à propos de ça, justement. Parce que l'histoire, on l'a pas beaucoup abordé. Ça, c'est des choses très importantes à souligner, ça. Personnage assez important, lui. Mais ce qu'il souligne, en fait, c'est à propos de l'histoire de base qu'on doit récupérer la... Bah, écoutez, on va essayer de tuer de la sorcière avant. En fait, au niveau de la... merde, dites comme moi. putain, j'arrive pas. De la princesse. Hein. En fait, quand on... La princesse, en fait, dans l'histoire... on rencontre déjà le... Vous vous souvenez de la PNJ de la voleuse, là? Bah, la PNJ de la voleuse, en fait, elle va vous dire... ah ouais, mais en fait, j'ai trouvé la princesse que je devais sauver. Mais en fait, c'était pas la princesse. Et là, vous dites quoi? C'est pas la princesse? Et en fait, c'était une esclave, parce qu'elle avait une marque d'esclave. Et en fait, on se rend compte que c'est peut-être des calomnies, comme on dit. En fait, comme il vous dit, on a été trahi, tout ça, ben cherchez pas. Cherchez pas. La princesse n'existe pas. On a une quête à la con qui nous sert à rien. Et là, nous avons la meilleure épée du jeu, Scarfreacher. On peut quand l'améliorer? Je sais plus jusqu'à combien on peut l'améliorer. Et là, il faut une fonge engloutie. Meilleure épée du jeu. Si vous jouez sur la... Bah voilà, ça c'est la meilleure épée du jeu en plus de l'épée de base. Regardez les stats. S. Par contre, le seul inconvénient de cette épée, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser à une main. Si vous l'utilisez à une main, c'est aussi simple que ça. Ouais, bon. Si vous l'utilisez... Vous pouvez pas l'utiliser à une main, en fait. Ah bah si, je peux l'utiliser à une main. Parce que j'ai dû augmenter ma force. Ouais, j'ai bien augmenté ma force. Ah bah, autant pour moi. Parce qu'avec mon perso que j'ai dans ma partie précédente, en fait, je peux l'utiliser qu'à une main. Ah bah, c'est un bon point à prendre. Par contre, on va prendre le bouclier contre les dégâts d'Arcane. Parce que là, le boss qui va nous... Il va nous foutre la misère, ce boss. Ah bah, forcément, on n'a pas les trucs, mais on peut l'avoir facilement. On peut lui rouler dessus rapidement. On peut lui rouler dessus rapidement. Un des boss les plus durs du jeu. La sorcière du lac.
Ça, cette attaque là, ça vous one shot. Ça vous one shot cette attaque là, ça surprend quand on l'affronte la première fois. Elle vous dégage hein. Ouais. On va essayer de la voir, on a encore le temps. Je vais encore laisser 5 minutes, comme ça la vidéo fera 45 minutes au pire. Puis après, techniquement, il nous restera plus que 2 parties. Si tout se passe bien, il nous restera plus que 2 parties. Bah là on a notre stuff ultime hein. Enfin on n'a pas l'armure en soi, l'armure on s'en fout mais... L'armure on s'en fout. Ouais, la dernière attaque fait mal comme ça. Surtout faire attention à ces attaques et aussi... Évitez de la mettre dans un coin, parce que si vous la mettez dans un coin, vous n'entendrez pas tout le temps ses attaques. Surtout celle-là, parce que celle-là, elle pardonne pas. Ah, vous voyez, là elle est partie dans un coin, et du coup, heureusement qu'on a une bonne allonge pour se barrer. Viens par là, sale pute. Hein. Et voilà, bon, j'aurais dû me barrer de l'autre côté. On va essayer de la barre. Sauf, vous avez vu les dégâts, elle est très très fragile quand on a les bonnes armes. Surtout la meilleure épée du jeu, la Scar Fighter. Là. Certes, elle a un design un peu bizarre, mais moi je la trouve stylée. C'est justement c'est son design atypique qui la rend bien sympathique. Regardez-moi, je suis ici. En plus, elle flotte tout le temps, donc ça, c'est top. Ah là 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 là. J'ai pas eu le temps. Quand vous avez le bouclier arcane ici, c'est super utile. Mais au lieu de monter de niveau, on a utilisé le... Mais en soi, je savais pas que je pouvais l'utiliser à une main cette épée-là. Sans même avec un bouclier, elle vous bousille votre stamina en deux. Attention à la dernière attaque. En plus, on peut pas la stopper dans ses attaques, elle. Et elle aime pas le feu, hein. Forcément, c'est une sorcière. Ah putain, elle fait que ce pattern là. Et puis, forcément, j'esquivais tout bien du premier coup. Encore une minute. Voici, si on peut mordre un peu. Ça fait penser à Dark Souls, cette zone avec les arbres. Là. Quand on est dans le 1. Là. Et puis elle a pas arrêté de spammer la même attaque. Et voilà une chose que je n'aime pas, elle vous met dans le coin et puis là c'était compliqué d'esquiver. Je vais la bousiller avant de partir. Quitte à prendre plus de temps que prévu pour cette vidéo. De toute façon il y a tout, ça c'est pas trop grave.
Mais évitez de la mettre dans un coin, elle. Surtout évitez de la mettre dans un coin. Yo. Ah, j'aime pas cette attaque là. Mais nique ta mère, franchement. Franchement là, non, c'est dégueulasse là. Je fais tout pour esquiver l'attaque et puis je me bouffe tout dans la gueule. On va la voir, cette pute, on va la tuer. Attendez, on va tenter un truc. Hop, hop, déséquipé. De toute façon, le poison, il ne sert plus à rien. On va voir si t'aimes le feu, salope. D'ailleurs, je sais pas ce que ça signifie, les bougies. Et je vais me faire tirer dessus. Putain! Là, par contre, que j'ai pas pu esquiver cette attaque-là, là, c'était pas... Putain! Je vais quand même essayer de mettre un bouclier. Qui a des bons résistances en arcane. Celui-là, au pire. Le problème, c'est que je suis méga lent. Ça me sauvera pas, mais si ça peut me sauver de certains projectiles déjà. D'accord, bon, c'est ça. Hop, hop. Et je fais tout le temps cette attaque-là, mais ça me dérange pas. Hein. Aussi, meurs, vile créature. Salope. Je t'ai tué, je t'ai tué. Voilà. Bon bah voilà, on est fini. Là, il nous reste plus que 3 boss. On va monter de niveau pour le grand final. Puis bah, le bouclier nous aura servi à rien. En soi, le bouclier sert à rien ici. Équipez-vous d'une armure légère éventuellement. On peut jouer au bouclier contre elle. Non, franchement, techniquement, elle, c'est un des rares boss. C'est une exception à la règle. C'est une exception à la règle. C'est le fait que j'ai augmenté beaucoup ma force. Et l'endurance aussi, je pense que ça a joué dessus. Donc on va augmenter encore la force. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse pour cette seconde partie, cette dernière partie. On a aussi un des boss les plus durs du jeu, qui était la putain de saloperie de sorcière. Donc là, techniquement, il nous reste deux parties à faire. Si tout se passe bien dans le niveau alchimique et la tombe de je ne sais plus quoi. Mais techniquement, on peut s'en sortir. Là, normalement, il n'y a aucun problème. Normalement, il ne devrait avoir aucun souci. Donc, on approche de la fin. On est plus très loin de la fin. Donc sur ce moment, je vais vous dire à très bientôt pour la suite hein, sur Salted Sanctuary. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous hein.